Bonjour les chéris, on est dimanche, fin de matinée, je ne sais pas si t'entends les cloches. Et là, tranquillement, je m'apprête à prendre la route pour Badajoz. Alors, par rapport à la météo, on a eu beaucoup de pluie cette nuit, beaucoup de vent, un vent chaud bien sûr. Et là maintenant, ça s'est un petit peu calmé, donc on va prendre la route tranquillement. De toute façon, la tempête laisse quelques restes, mais il n'y a rien de dangereux. On s'est bien renseigné, il n'y a rien de dangereux pour nous. Donc on va y aller tranquillement. Domino, tu veux dire le coucou du matin? Non, il ne veut plus. Alors moi j'ai fait le coucou pour nous deux. Puis, en plus on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais non, il vient se recoucher. Il est là. Fais le coucou du matin, Domino. Domino. Regarde là, voilà. On a déjà fait une belle balade ce matin, Domino et moi. Puis hier, il a été très sage, hein. J'ai été la baby dog, il a été très très sage. C'est bien. T'as fait la nounou chien. Voilà. C'est parfait. Pour ça, je me suis baptisée moi-même la baby dog et la baby cat. Bon, j'ai rassuré quand même nos chéris et nos amours. Oui, il y a du vent, oui, il a bien plu cette nuit, la queue de la tempête, c'est normal, il y a des restes. Mais de toute façon, on risque rien. C'est frisqué ce matin. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre le temps là. Avec mon gros châle là, tout à l'heure, j'avais froid. Mais de toute façon, on va se diriger direction Portugal maintenant, oui. Enfin. Oui, on va être juste avant la frontière en fait. Ouais, à Badajoz. À suivre. Prête à partir, Cassie? Maman Cassie, prête? Ça, c'est sa place préférée juste avant que je démarre. Allez, cette fois-ci, moi aussi, je suis prête. En avant, la route. Mais aujourd'hui, pas beaucoup de route. On a un petit peu plus de 50 km seulement. Donc, c'est rien du tout. De camping-car gratuite, on a la vidange, l'eau potable et vidange de toilette gratuite, un parking le strict minimum mais impeccable. Et bien sûr, il fallait que je fasse une bêtise, je suis partie de la vidange et j'ai oublié de fermer, et donc comme il reste toujours un peu d'eau, ben voilà, j'ai fait la bêtise. Bon, je sais pas si on va rester sur cet emplacement. Alors là, c'est à peu près plat où j'ai trouvé, parce que les autres sont pas mal en pente sur le côté. Donc là, si on se met par là, va falloir vraiment mettre les cales sur les côtés. Bon, sinon, en plein centre, ça ne me fait pas trop envie. Donc en attendant Christa, je vais réserver sa place. Alors, cela fait deux fois que je demande à des camping-caristes de ne pas se mettre juste à côté de moi. Le deuxième, c'était des Espagnols, là, les deux fois. Le deuxième, c'était un couple, pareil. Je leur ai dit gentiment, la dame m'a renvoyé balader bien proprement. Après tout, elle a raison, il n'y a aucune obligation, il n'y a rien. On peut pas, les places ne sont pas réservées, comme elle m'a dit, poliment. Mais tout était clair, j'ai pas insisté. Je dis bon, d'accord, c'est, bon, voilà, c'est pas grave. Et puis finalement, ils sont partis. Donc, c'est pas la peine que je stresse Chrissa sur la route ou qu'elle soit. Je reste là, je vais continuer de monter la garde. Et puis, si quelqu'un se met, ben, tant pis. Voilà Chrissa qui arrive enfin. Bien sûr, on entend Domino. Bon, ça va, j'ai réussi mon rôle de chienne garde. Je sais, je suis toujours la première, du coup, je lui laisse toujours la meilleure vue. C'est comme ça. Fais coucou à la caméra. Aujourd'hui, Chrissa et moi, nous étions en mode vraiment cool. Hein. Pas beaucoup de route. On est arrivé tranquillement à Badajoz. J'ai beaucoup aimé l'arrivée dans Badajoz. C'est très joli. J'aime bien cette alliance entre le moderne et l'ancien. J'ai trouvé ça très accueillant pour le moment. Le parking est simple, sobre.
pratique. Voilà. Et nous sommes juste à côté d'un parc qui semble très très joli. Et je sens que demain, on va bien se promener, on va bien marcher vers l'ancien Badajoz. Oui, ça présage déjà une très très belle journée. La seule chose, c'est que je pense que Krissa est comme moi. On aimerait bien que le vent se calme un peu et qu'il fasse un petit peu moins froid. Parce que là, ça y est, le vent est devenu assez frisquet. À demain, tous mes chéris.